que je considère est venu sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire, oui je veux crier que pour le monde entier tu t'es donné. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner, que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Pour me tenir à tes pieds, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Je veux connaître ta volonté. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai. Que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je
deuxième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Les textes liturgiques de ce jour mettent en exergue deux notions, la justice et l'humilité. En effet, le chrétien en tant qu'héritier du royaume de Dieu doit être juste et honnête envers Dieu et envers ses frères. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous, une bonne gérance de son héritage au cours de cette semaine. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de mener à bien la mission qu'il confie à chacun de nous, celle de produire son fruit. Participons activement à cette sainte messe. Le Seigneur nous a conduits dans sa maison pour célébrer sa résurrection. Jésus est vivant. Jésus est au milieu de nous. C'est lui qui nous attendait dans cette église avant que nous ne venions. Remercions-le. Disons-lui que nous l'aimons. Et en ce mois de mission, le mois d'octobre, demandons-lui la force pour le communiquer à nos frères et sœurs et aux frères et sœurs. Reconnaissons devant le Seigneur que nous sommes pécheurs. Pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant. Tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous nous en demandé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons le chapitre 5, des versets 1 au verset 7. Le prophète Isaïe nous fait part de la déception et de la colère du Seigneur face à ta vigne bien-aimée. Nous sommes ainsi appelés à respecter les préceptes du Seigneur pour être épargnés du châtiment réservé au malheur. Soyons attentifs. La vigne que tu as prise en Égypte, tu la reprends en chassant des nations. Tu déverses le sol devant elle, tu la racines qu'elle remplisse le pays. Regarde la vie, Seigneur, et sauve ton peuple. Pourquoi as-tu percé ta clôture? Pour les passants, ils grappillent en sureur. Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la poussent. Dieu de l'univers, le ciel, du haut des cieux, de là de l'effroi. Visite cette fille, protège-la, celle qui a planté la main puissante. Regarde la vie, Seigneur, et sauve ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Regarde la vie, Seigneur, viens sauver ton peuple. La gloire sera rendue au Père, Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. L'apôtre Paul nous exhorte à pratiquer toutes les vertus divines et à garder la fidélité à Dieu, parce qu'il donne sa paix à ceux qui lui sont fidèles. Écoutons avec beaucoup d'intérêt cette deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Nous lisons le chapitre 4, des versets 6 à 9. Prêt. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, payez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Thank you.
parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se servirent des serviteurs, frappèrent la pierre l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Et il leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Ainsi, vous le dites, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons le mois d'octobre, qui c'est le mois du rosaire, et le mois dédié à la Vierge Marie, et c'est aussi le mois des missions. Alors, l'Église veut que nous réfléchissions et nous prions pour la mission universelle. Applaudissons pour le Seigneur pour tant de merveilles qu'il a fait. Moi-même, comme vous pouvez bien constater, je ne suis pas camerounais. Comme disait notre chanteuse, dit que je ne parle pas française, française. Bon. Moi-même, je ne suis pas camerounais et je m'appelle le père Carlo. Je suis, on pourrait dire, le petit-fils du père Bruno ou du père Jean-Baptiste, je suis aussi un missionnaire savérien. Et mon travail, c'est justement d'animer et garder éveillé cet esprit missionnaire dans le cœur des croyants. Alors, dans la deuxième partie de l'homélie, je vais aussi prendre quelques temps pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire, quelle est la pierre de construction que vous pourriez aussi porter pour que l'Évangile puisse se répandre dans le monde entier. Le Seigneur, Il est au bord de la mer et le Seigneur parle aux foules. Et dans son enseignement, il dit, le semeur sortit pour s'aimer. Et la semence qu'il a semée est tombée sur la route, sur le terrain pierreux, et c'est des huiles. Et là, le Seigneur s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, le Seigneur ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à qui? Qui a bien suivi? Oui,
répondre. Non, oui, peut-être. Le Seigneur s'adresse aux chefs des prêtres et aux scribes. C'est-à-dire, il s'adresse aux responsables de l'Église, les chefs de l'Église. Et il raconte une parabole quand même assez triste. Pourquoi? Parce qu'il y a un patron qui a un peu d'argent, il dit que je veux mettre à profit mon argent. Le patron plante des palmes, il met la clôture tout autour de son terrain pour dire que ça c'est mon terrain, personne ne va entrer autrement. Au centre de son domaine, il creuse un pressoir, il met les fûts pour pouvoir extraire l'huile. Il bâtit la maison des cultivateurs, il fait tout et tout pour que son investissement puisse donner. Alors il prend des cultivateurs, il dit que mettez-vous là, défrichez, au temps venu, récoltez et restez vivants, et après vous m'envoyez seulement l'argent. Le Seigneur dit, on enlève la vigne, on enlève la plantation à ces mauvais cultivateurs, on va donner à d'autres qui vont fructifier. Très bien, maintenant, voici la question. De quoi l'Évangile parle? Vous savez que la parabole, c'est une histoire avec une signification beaucoup plus profonde. L'Évangile parle de quoi? À qui l'Évangile s'adresse? Hein? À nous-mêmes. À nous-mêmes. Et il nous dit quoi? Quel est le message que nous pouvons tirer de cet évangile? Oui. Suivre la parole et la mettre en pratique. Mais la parole, elle a un message quand même assez spécifique. Il s'adresse à nous qui sommes à l'église, disait une maman. Nous qui sommes à l'église, il dit, méfiez-vous. Vous allez toujours à l'église. Vous êtes toujours à côté de l'autel. Vous, entre guillemets, vous jetez la parole de Dieu, jetez les sacrements. Mais viens-vous, parce que si vous ne vous comportez bien, le Seigneur vous enlèvera ça, il va le donner à un peuple qui va le fructifier. Êtes-vous d'accord avec ces mamans? Oui. Oui, mais pas 100%. Vous savez pourquoi? Non, en fait. Parce que la parole ne s'adresse pas à tout le monde. La parole s'adresse à qui? La parole, le Seigneur s'adresse à qui? Il s'adresse aux chefs et aux prêtres. Il s'adresse au Père François et à moi. Le patron de la vie, c'est moi. Ce n'est pas toi qui es prêtre. Tu dis que tu es prêtre de Jésus-Christ, ça veut dire de Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est le patron. Ne te mets pas un patron pour gérer ma chose. Tandis que la responsabilité, tandis que toi qui es quoi? Toi qui es prêtre. Et c'est un message très beau. Le pape Benoît XVI, qu'est-ce qu'il a dit le jour qu'il a été élu pape? Qu'est-ce qu'il a dit? Dès qu'il est sorti de la fenêtre, il a dit, je suis un pauvre. Voilà, demandons. Je suis un pauvre. Plus que serviteur, un autre mot qu'il avait utilisé, c'était un peu plus dans le domaine du travail. Je suis, oui, là c'est l'évangile. Hein, Luc au chapitre 10 dit que tu es un serviteur inutile. Ça veut dire, ta responsabilité c'est de servir. Le pape avait dit, je suis un pauvre ouvrier dans la vigne du Seigneur. Et moi je dis, ça c'est très beau, c'est très réconfortant. Parce que je suis sûr, souvent, même le Père est découragé. Il dit que moi, je veux que mon peuple aille dans cette direction et mon peuple, les gens, ils s'en foutent de moi. Ils s'en foutent, profiter de ces dons. Ne bousillez pas ce que le Seigneur vous donne. Premier message. Deuxième message. Je crois que c'est aussi très beau. Le Seigneur termine la parabole. Parce que si vous regardez au fond, le Seigneur est en train de parler de lui-même. Le Seigneur dit à la fin de la parabole, la pierre
que les bâtisseurs ont rejeté est devenue la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la pierre des fondations. Ça veut dire, vous, peuple, vous avez rejeté. Il a récupéré la pierre que vous avez rejetée et il a fait de cette pierre la fondation. C'est sur cette pierre qu'il a fondé son église. Et ça, c'est l'image de Jésus. Et le diable, je vous dis, moi, je suis fort, j'ai crucifié le Fils de Dieu. Mais il ne savait pas que ce Fils de Dieu, c'est aussi l'auteur de la vie. C'est le Créateur, c'est le Seigneur. C'est pour cela que le Christ est ressuscité. Et sur cette résurrection, on a fondé l'Église. Et l'Église disait cette chose, regardez parmi nous combien de docteurs il y a parmi nous, combien de sages, combien d'hommes riches, combien de rois. Il dit, très peu, c'est cette même personne. Il dit que Dieu a choisi ce qui dans le monde est vous pour comprendre les sages. Et ce qui dans le monde est faible pour comprendre les forts. Ça, c'est la logique de Dieu. Parce que vous savez, on ne pose plus la question, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Parce que le pharaon vient, l'or vient, les liens vient, le pharaon vient, le roi vient. On pose la question, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, peut-être le port de France. Jésus-Christ.
Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous avez trouvé votre nourriture pour la semaine, la parole de Dieu vous a nourri. Vous rentrez à la maison, vous êtes plus fort. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas des craintes d'attaquer la semaine qui commence. Si vous avez une joie dans le cœur, parce que vous êtes venu célébrer le Christ ressuscité, vous avez communié au corps et au sang du Christ. Pourquoi garder cette chose pour vous-même? Il faut partager. Il faut dire, Jésus est vivant. Le Père a quitté le Bénin pour venir ici. Moi, j'ai quitté l'Italie pour venir ici. Mais au même moment, le Père Roméo Kenye, je ne sais pas qui le connaît, c'était un jeune de Milonguet, il est allé loin. Il a pris l'avion, il a fait le tour du monde et il est allé ici, en Colombie. Le Père Zacharie Tamajon, il est curé toujours en Colombie, à Bonaventure. Le Père Félix Piaté, il est allé au Mexique. La sœur Thérèse, c'est une fille aussi de Novassi, trois, elle est allée au Canada. Comprenez alors comment l'Église, c'est une seule famille, mais dans le monde, partie partout dans le monde, surtout dans les églises qui ont le plus besoin. Et vous-même, vous en êtes un exemple, parce que l'Église que voici, c'est toujours l'Église universelle qui est construite. C'est-à-dire, vous avez mis votre part de contribution, mais le gros vient d'ailleurs. Vous comprenez alors, c'est toute une dynamique, et il faut quand même que les chrétiens, et Dieu nous rapporte que moi-même, j'ai donné ma part. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a péché de la Vierge Marie, et ses prétendants, crucifié pour nous ce bon soulage, il a souffert sa passion, et fut mis au tombeau, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui possède le Père et le Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en Jésus, une sainte. Catholique et apostolique, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. De la paix et de l'amour du Christ. Jésus, Mère de l'univers, écoute et prends pitié de nous.
au repos des larmes de maman Victorine, la grand-mère de son mari, André et tous les personnes de la famille, à la dignité humaine, pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits et ses projets. Le projet de papa fidèle et la micro-soie à Léon-Paul, Ngo et la famille, mon mot pour le défunt de la famille de Jamama, à Paul, Emmanuel, Sinon et les gens de Singapour. Par le chrétien dans la vie de grâce au Seigneur et conseil pour tous ces malades au Seigneur. À la famille, ils sont pour le repos des âmes de maman Gilde, qui est théorique, décédée il y a un an. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'un nouvel mort, qui donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. En répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Yeah.
Thank you.
ça, ça vient. Ce jour-là, les aveugles en clair, les sources mettront à entendre, les boîtes vont lire encore plus clair, les muets vont nous rendre heureux. C'est là qu'il y aura le paradis, je n'ai plus ni à cela, aucun idolâtre n'y rentrera. De Jésus-Christ, ton Fils, Lord, Seigneur, notre Dieu, à qui tu donnes le monde pour grâce et tout bien. Lui qui virait dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon adieu. Alors, ferme mes voix, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Voilà. Tous mes jours ici-bas, que ma vie soit toujours un parfum. C'est une occasion exceptionnelle aujourd'hui, puisque c'est maman Véronique qui nous réunit ce matin. Et cette maman Véronique, vraiment, elle m'a beaucoup marqué, puisque c'est chez moi qu'elle faisait sa thèse. Et j'étais un peu son compagnon, on priait ensemble.
cette maman a été vraiment pour moi un modèle de sainteté. C'est-à-dire voilà une femme qui a suivi le Christ jusqu'à sa mort. Qui a aimé l'Église jusqu'à sa mort. Est-ce que vraiment nous on pourra tenir? Et nous remercions beaucoup le Seigneur pour nous l'avoir donné et pour l'avoir reprise. Et tout ce que nous pouvons demander, c'est qu'elle intercède pour nous là où elle est, parce que nous savons qu'elle est déjà au ciel. Donc, mes chers frères et chers frères, continuons à prier pour elle et avec elle, pour que nous aussi, nous imitions son exemple, hein, ce bon exemple pour pouvoir qu'à la fin de notre jour, à la fin de notre séjour sur terre, nous puissions vraiment hériter la vie éternelle. Devant toi, je me renouvelle. Mais demande-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me renouvelle. Mais demande-moi ce que tu voudras. En passant mes enfants en Europe, je veux me voir. Je ne veux pas la balade. Devant toi, je me renouvelle. Mais demande-moi ce que tu voudras. Thank you.
lorsque j'élève ma voix à travers l'univers. C'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Persévère, oh oui,
Si tu es, si tu es.
Saint-Esprit. Amen. Nous te disons, Créateur du ciel, au nom de Dieu le Père, tout puissant, Sage, de ses sens, de la vie, de ma part, la peur, la finesse. Et tu deviens tel et tu te tournes dans ce que nous aimons, le Dieu, le Dieu, le Père, le Dieu, le Seigneur, avec même le Dieu, le Créateur. Et je suis cette créature du haut nom de le Père, du nom de Dieu, du nom de Dieu, le Saint-Esprit, parce que je viens pour le tout puissant, du nom de Dieu, le ayant eu comme ami, et pour moi, pécheur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu tout-puissant, Dieu de la vie. Dieu le Père de la vie. C'est toi qui nous as donné tes vies. Aujourd'hui de toi. C'est toi qui nous as donné tes vies. Comme le Seigneur est en ce moment. Dieu le Père. Qui reste encore dans mon cœur. De l'enfant. De l'enfant. Et nous te disons merci de nous avoir donné la possibilité de nous attendre ici. Pouvoir partager ce repas en son nom et que ton nom soit glorifié. À présent, nous te demandons de venir bénir ce repas que nous allons partager, signe de ton amour et de ta miséricorde. Nous te supplions de donner à manger à ceux qui n'en ont pas, le travail à ceux qui n'en ont pas, donner la santé à ceux qui la cherchent, les enfants à ceux qui attendent de ta miséricorde, de ta bonté. Et nous te demandons de venir bénir tous les présents ici et les absents, de venir bénir ces locaux qui nous reçoivent aujourd'hui. Nous te disons merci. Toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Amour et en chantant, et en chantant, avec comme un tonnerre, tu parles de nos péchés. Notre foi, qui rêve encore en moi.
comme Dieu bénit qui au monde. Malheureusement que nous n'étions pas à l'enterrement, mais aujourd'hui, nous l'enterrons et nous envoyons son âme à Dieu. Oui, là-bas. Et nous sommes sûrs qu'elle est déjà là, parce que si elle n'était pas là, elle ne devait pas donner les finances pour célébrer son jour, son jour de fin sur cette terre aujourd'hui. À cause de ça, nous célébrons déjà parce que nous savons qu'elle est à côté de Dieu. Parce qu'il y a les preuves qui prouvent l'appeler, qui nous montrent qu'elle est dans le royaume de l'Éternel. Vraiment, ça fait notre fierté. C'est une maman qui nous aimait bien. Tout principalement, quand j'arrivais ici, elle devenait bébé.
elle me voyait devenir plus bébé. Je la traînais, je traînais sa main comme un bébé pour la prendre à marcher encore à deux pas. Je la traînais, elle marchait, elle me racontait des petites histoires anciennes et ça me faisait, ça me donnait la joie au cœur. Quand je pense à ça, j'ai des remords, mais j'ai quand même la joie au cœur parce que je sais qu'elle est déjà à côté de mon père qui est Dieu pour ça. Je la pressais, je la massais les doigts, je la massais le dos et elle aimait bien ça. Elle me disait que ma fille, je suis contente de vous voir aujourd'hui quand je ne serai plus là. Vous viendrez danser, danser, chanter. Vous allez danser, chanter, ne pleurez pas pour moi parce que je suis sûre que quand je ne serai plus, mon âme sera à la voix de mon père. Si le gagne ce monde, puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd.